La SEC a perdu, ce n'est pas étonnant pour moi. Parce que depuis un certain temps, la SEC a l'habitude de perdre les matchs. Ils n'ont pas un entraîneur de niveau et il faut que la direction de la SEC s'assure pour essayer de faire le meilleur coup pas pour voir ce qui ne va pas. Aujourd'hui, tous les supporters de la SEC sont découragés. Roger Ognien n'écoute personne. Mais moi, je voulais dire à notre cher président qu'il n'a qu'à écouter aussi les supporters. Moi, je suis supporter de la SEC, il le dit encore. Mais ce n'est pas la SEC, c'est une équipe de quartier qui joue, qui est très mal organisée. Je ne joue pas au football, c'est une honte pour Roger Ognien. Si ça ne va pas aussi qu'il veut garder Chevalier, il n'a qu'à démissionner. Il n'y a pas honte dedans. La SEC n'a même pas un volume de jeu. La SEC n'a même pas un contenu. C'est n'importe quoi on veut voir au terrain. La SEC ne peut même pas remplir le terrain. Parce que tout le monde est dessus. C'est vrai, peut-être que lui, il a eu l'argent qu'il voulait. La SEC, il a eu l'argent qu'il voulait. Voilà pourquoi il s'en fout. Mais s'il a eu l'argent qu'il voulait, mais quand tu te là, quelqu'un d'autre va venir. Il a des bons joueurs. La SEC a tous les meilleurs joueurs du championnat. La SEC est le club le plus riche en Côte d'Ivoire. Qui déniche des oiseaux rares dans le club. Tant que Chevalier est là, nous là, on ne vient plus au terrain. Moi-même, d'ailleurs, même, je dis, je ne supporte plus la SEC. En tant que supporter de la SEC, je reconnais que le Racing Club a été super. La SEC ne retrouve plus les manières de jouer. C'est honteux. Nous, les supporters de la SEC, nous sommes fatigués. Cette année-là, comment une équipe comme la SEC, comment on peut faire année blanche? La SEC a des bons joueurs, mais on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent même pas même à créer des choses, à gagner des matchs. En tant que supporter de la SEC, en tout cas, vraiment, je suis déçu. Je ne peux pas accuser le coach parce que c'est mon collègue. Voilà. On ne peut pas vendre un joueur ou bien deux joueurs au cours du championnat. Tu as ton meilleur joueur, l'attaquant, le meilleur buteur que tu lui vends. Si tu es un milieu que tu lui vends, mais tu cherches un résultat. Roger Ognien, la défaite de la SEC, c'est la faute de Roger Ognien. C'est pas la faute de l'entraîneur. Tu prends les mêmes joueurs pour aller jouer un tournoi au Ghana. Un joueur, une compétition même qui n'apporte rien. Il vient jouer Ligue des Champions, il prend les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs seulement qu'ils ont utilisés. L'année blanche de la SEC, c'est Roger Ognien. Il pouvait attendre à la fin du championnat et puis il va vendre. Parce qu'on voit, on a vu Konaté Karim qui a signé. Et puis il a vu terminer le championnat ivoirien et il les répate. Mais pourquoi Roger Ognien ne décide pas ça? C'est vrai, il faut vendre joueur. Mais quand tu vends joueur aussi, il faut réfléchir, il faut penser aussi. Selon moi, Roger Ognien n'a qu'à faire confiance aux académiciens. Qu'ils fassent monter d'autres académiciens pour pouvoir boucher le trou. Et je pense bien que ça va aller. Aux supporters de la SEC, de ne pas être dessus, c'est l'arrêt du football. Je trouve que le Racing Club a mérité sa victoire. Parce qu'au niveau du jeu, elle a produit du jeu. La SEC a joué seulement que 15 minutes en première mi-temps. Au retour des vestiaires, on a vu l'équipe du Racing plus déterminée qui était venue vraiment pour chercher le trophée. Bon, la SEC n'a pas pu gagner parce que le coach n'est pas au niveau. Franchement, le coach n'est pas au niveau. Ça fait 5 ans qu'il est là au niveau du jeu. La SEC a perdu son football qui faisait d'elle une équipe attrayante. La preuve, les supporters ont commencé à bouder depuis le match des quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Espérance de Tunis. Ils sont allés massivement au stade, mais au niveau du jeu, c'était pas ça. En deux matchs contre l'Espérance, la SEC a tiré que 2 fois au but. La SEC a un effectif fou. Ils ont 35 joueurs de grande valeur. La vente de joueurs excessive a un effet sur le projet de jeu de l'équipe. De fond de jeu, il fallait oser. On n'a pas osé. Le plus méritant est passé.